Hey, la tinta. Time is running out. A ghost keeping me alive. I get what he means. You have to survive. 8 o'clock in the morning. Too hard to give, too hard to live. I can't stop dreaming. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mon bébé Tagada. Voilà, ça faisait hyper longtemps que je vous l'avais pas montré. Donc il va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo favoris du moment. C'est les favoris du moment, mais pour le cheval. Mais donc du coup, si vous le voyez passer, désolé, mais voilà, il sort. Donc on va commencer par le premier produit. Donc le premier produit, donc c'est l'Easy Shine Shampoo de chez Raven, qui fait comme action brillance, shampoing ultra brillant. Voilà. Ils sont très très bons, mais l'inconvénient c'est que en fait où je l'ai acheté à ma boutique à côté de mon club. Et en fait petit inconvénient c'est que tout simplement il n'y avait plus à la boutique. De base je voulais pas acheter ce shampoing à la boutique, je voulais acheter celui avec qui éloigne les mouches, parce que c'est vrai qu'en ce moment du coup il y a beaucoup de mouches et je sais que les shampoings Raven ils marchent super bien parce que je les avais déjà testés. Mais donc comme il restait que celui-ci, j'ai pris celui-ci, mais du coup je regrette pas du tout parce que il est quand même super bien et je me rappelle plus au prix où je l'ai payé. Je me rappelle plus du tout. Donc voilà. Donc voilà, avec un petit poney ici. Bon, c'est flou, mais bon, vous m'excuserez. Il veut pas faire la macro. Donc voilà. Et c'est un flacon de 500 ml. C'est mon premier shampoing de la marque Raven. Mais j'en avais déjà testé parce que ma prof en a. Et donc du coup quand on a shampooiné les chevaux, elle nous a dit de prendre ces shampoings. Donc du coup moi j'avais pris le Raven parce que je voulais le tester pour voir s'il marchait. Et en fait il s'était avéré que je l'ai adoré. Il mousse super beaucoup. Donc ça c'est trop bien. Il se rince très facilement. Donc voilà. Et je suis plutôt assez contente de ce petit produit. Deuxième produit, par contre il est dégueulasse. Donc c'est le Pediflex encore de chez la Raven. Donc celui-ci je voulais trop le tester en fait, parce que il y avait tout pour me plaire en fait. Le packaging est super parce que je trouve qu'il est pas dégueu le packaging, franchement, en boîte de métal comme ça. Et ce qui aussi est super, c'est que je ne sais pas si vous connaissez, voilà, déjà il y a un pinceau inclus dedans. Et je sais pas si vous connaissez les pinceaux de chez Fugenza et Kiri et tout ça, les pinceaux qui ont un petit capuchon là et qui tout simplement et en fait se pètent à chaque fois. Donc le pinceau clairement se barre, c'est très chiant. Et où les poils sont tous abîmés, donc c'est horrible. Et donc moi je trouve ça super bien que ça soit inclus dedans, le petit pinceau. Il fait Pediflex est un soin rapide et indispensable pour améliorer la résistance des pieds de votre compagnon en l'hydratant toute l'année. Comme hier on est parti en balade et il s'est avéré que les pieds de mon poney avaient été super secs, donc du coup personnellement j'ai voulu le tester. Enfin je l'avais déjà testé avant, mais voilà, je voulais le tester. Et en fait, il s'est avéré qu'en une application, je suis venue une heure après. Déjà, le sabot avait tout bu et il ressemblait déjà à quelque chose de mieux. Donc, il faut savoir que moi, j'en mets j'en mets qu'après une séance. Parce qu'avant une séance, les prés sont encore un peu boueux. Enfin, un tout petit peu. Et donc, c'est encore un peu humide. Donc, le sabot n'est pas totalement sec. Désolé, monsieur, c'était barré. Allez, va-t'en. Allez, chut. Ensuite on va continuer dans le Raven, hein, parce que du coup c'est le dernier produit Raven, c'est l'Easy Shine, le démêlant. Bon ça je vais pas vous en parler pendant 30 ans parce que je vous avais déjà fait une vidéo dessus. Mais en gros ils sont super, vraiment il est super ce produit là. Par contre je suis vraiment dégoûtée parce que je l'avais mis dans ma boîte de pinçage et je l'avais vissé. Et en fait dans ma boîte de pinçage, cette petite vis s'est dévissée. Donc ça, elle s'est dévissée et j'avais tout le produit dans ma boîte de pinçage. Donc j'en ai perdu pas mal, voyez. Donc, gros moins, c'est qu'il part super vite ce produit et qu'il n'est pas très solide. Donc il faut y faire attention. Donc regardez. Voilà. Enfin bref, je vais arrêter d'en gaspiller parce que je n'en ai déjà plus trop. Donc voilà, donc mais vraiment c'est mon indispensable du pinçage maintenant. Donc du coup on va continuer avec les produits. Donc ça c'est un anti-mouche fait maison qui en ce moment me sauve la vie avec les chevaux. Donc c'est un anti-mouche, si vous voulez un DIY je vous le ferai. Mais voilà, il est super quoi.
Et donc du coup je suis plutôt contente de ce petit truc. Donc qu'est-ce que j'ai, enfin, donc voilà, donc ça sert à rien d'acheter franchement un Emotion Total de chez Raven et tout ça, enfin un Emotion quoi, parce que personnellement un Emotion fait maison, bah ça marche quand même super bien, et moi j'en mets toujours un petit peu au niveau du Grasset au niveau du... Après c'est vrai que je compte acheter l'Emotion en roll-on pour cet été, tout simplement parce que l'Emotion en roll-on c'est mieux pour mettre au niveau des yeux. Un pchit, je peux pas y mettre au niveau des yeux parce qu'en plus c'est fait avec du vinaigre blanc, donc si on en applique autour des yeux bah ça va lui piquer. Finalement du coup je préfère prendre le roll-on, mais voilà. Cinquième favori, ma Magic Brush de rouge trop belle, attendez, voilà, rouge trop belle, magnificos. Qui me sauve la vie parce que c'est vrai que j'aime pas trop prendre en hiver les tries américaines parce que c'est vrai que bah, quand les chevaux, enfin j'aime pas trop parce que personnellement les tries américaines on peut pas la passer partout et donc ça me sauve la vie. Et dernier favori, c'est mon éponge. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai que bah voilà, parce que en fait une éponge tu peux tout faire avec. C'est-à-dire que nous en fait dans mon club quand on douche les chevaux des fois il y a plus d'eau parce que ça vient d'une rivière, enfin on prend l'eau d'une rivière il me semble. Et donc en fait quand il y a plus d'eau bah et qu'il fait super chaud, faut quand même qu'on douche les chevaux. Logique, tu vois. Et en fait, à chaque fois bah je sais pas comment faire parce que du coup bah à chaque fois on pouvait pas. Donc maintenant bah j'imbibe d'eau et puis je viens lui passer de partout avant un cours quand il fait chaud et après un cours, comme ça je sais pas s'il y a la transpi et tout ça, comme ça lui fait grave du bien. On peut également nettoyer les sécrétions au niveau des yeux et des naseaux, et en plus on peut nettoyer ses petites fesses parce que oui, je nettoie moi leurs fesses au chaud. Donc en fait je soulève la queue et puis y a un peu de caca souvent, hein. Y a un peu de crottin qui a coulé ou autre. Donc du coup moi je trouve important de nettoyer parce que c'est vrai que nous bah quand on va aux toilettes on se nettoie après. Donc pour eux c'est la même chose mais ils peuvent pas eux. Donc je trouve que c'est important aux cavaliers de le faire, donc voilà. Donc voilà, donc juste avant que la vidéo se termine, je voulais juste vous dire, je ne suis pas en partenariat avec la marque Raven. Non, c'est juste que à ma boutique, à la boutique à côté de mon club, il y a beaucoup de produits Raven. Ils sont presque tous, sauf quelques-uns. Juste regardez mon lapin. Il est sur le gazon fondu. Non mais regardez-le. Pff, j'en ai marre, sauvez-moi. Sauvez-moi, regardez. Hop, allez, hop, regarde, il part. Coucou. Voilà, j'en ai trop marre de ça. Mais c'est vraiment un petit couillon. Oui. Oh mon pépère. J'en ai marre de ce lapin, franchement sauvez-moi. C'est horrible. Je le supporte tous les jours depuis un an. Et quelques mois. J'en peux déjà plus. Fais des conneries. Aïe. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.